Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve quelques jours après, ça fait deux jours depuis ces deux jours de concert. J'avoue, c'était pas la grande forme, c'était pas le gros moral. J'ai pas fait grand chose, je suis restée en pyjama, j'ai regardé des vidéos YouTube. J'ai profité aussi d'un ami qui restait un petit peu les deux premiers jours. On a passé des bonnes soirées ensemble, c'était cool. Et puis après, ouais, j'étais un petit peu maudit. Et là, il est 9h10. Et je vais enfin enlever ces ongles qui sont dans un état catastrophique. J'ai cassé le gel, bon ça faisait plus d'un mois, donc du coup ça manquait d'adhérence à la base. Et au concert, j'ai cassé ce doigt là, et donc celui-ci et les autres ont une repousse pas possible. Lui je l'ai limé, enfin il n'y a rien qui va. J'ai trop hâte d'avoir à nouveau les ongles courts. Ça fait deux mois que là je refais du gel, donc du coup deux mois que je les laisse pousser, que c'est ma longueur. Bon là j'ai un peu limé quand même, mais j'avais une grosse longueur. J'ai trop hâte d'avoir les ongles courts parce que franchement c'est pas pour moi les ongles longs. Je trouve pour mettre mes baskets c'est chiant, pour appuyer sur les boutons pour ouvrir les portes ça m'énerve, pour taper des mails c'est insupportable, pour taper sur le téléphone j'ai à peu près pris le pli mais c'est relou. J'ai trop hâte d'à nouveau avoir les ongles courts, c'est tellement la vie les ongles courts. Je ne sais pas comment vous faites avec les ongles là, les trucs énormes là, vous me dites à chaque fois non c'est vraiment pas contraignant, je vois pas ce qui est embêtant, mais moi là avec les ongles à peine longs tout m'embêtait. Alors vraiment gros respect pour vous les meufs et les mecs qui en ont des comme ça aussi, parce que j'en ai vu avec. Bref, c'est parti pour libérer mes mains. Transition bien foirée là parce que... Attends. Je fais la transition, alors je sais que je vais pas cut parce que ça va me faire rire. Oh, je me suis levée trop vite, j'ai des flashs. J'ai faim, il est 12h35, je suis joie. Oh là là, que je suis joie. J'ai pas encore repris ma guitare, mais j'ai hâte. Bon, c'est pas que, voilà, je joue pas... C'est vraiment, j'ai zéro de niveau, je connais les mêmes accords depuis que j'ai 15 ans et c'est juste pour m'amuser. Quand il y a des chansons que j'aime bien les apprendre par cœur. Au chant, et puis ça m'amuse de m'accompagner avec ma guitare, mais voilà, c'est à mon tout petit niveau pour le plaisir. Du coup, faut que je me fasse à bouffer, mais je ne sais pas quoi, surtout que demain je pars à Nantes. Je pars à Nantes pour rejoindre mes amis Marine et Julien et j'ai trop hâte de les revoir. En fait, c'est, je sais pas si vous les connaissez des réseaux sociaux, c'est Marine, les Dessous de Marine, qui a un blog depuis super longtemps, que je suis depuis vraiment longtemps, avant qu'elle-même me connaisse. Et Julien, en fait, je connaissais son compte parce qu'il fait des photos de concerts en fait depuis longtemps. Et en fait, pour la petite histoire mignonne, la petite anecdote, quand j'avais fait un road trip aux États-Unis, le premier que j'ai fait avec mon ex, je regardais les stories de Marine et j'ai vu qu'ils étaient en train de faire le même road trip. On fait toujours plus ou moins un peu le même circuit au même moment. Et ce sont des grands fans de Blink. Mon ex est très très fan de Blink. Moi, j'aimais un peu moins à l'époque. Maintenant, j'écoute beaucoup plus. Nous étions allés à un concert de Blink à Francisco et on était au même concert. J'avais vu sa story, j'ai fait oh putain c'est fou quoi, on se connaît pas, moi je la suis et tout, et on était au même endroit au même moment. Et ensuite arrivé à l'aéroport, je les vois en train de récupérer leurs valises. Alors j'avais pas voulu faire ma relou, surtout que je n'avais strictement rien à leur dire, on venait de se taper des heures de vol, on était claqués, il était tard, j'allais pas dire hey coucou je vous suis sur Instagram. Après j'aurais pu dire que c'était marrant parce qu'on était au même concert et tout, mais bon bref, c'était un petit peu resté dans ma tête. Et depuis je me disais putain les deux ils sont dans une bonne vibe et tout, je me disais qu'on s'entendrait bien avec eux, avec mon ex et tout. Et puis suite à ça je les ai revus plusieurs fois au loin dans des festivals machin et on s'était jamais parlé. Et la première fois qu'on s'est parlé je crois que c'était dans la file d'attente du premier Hellfest, quand j'étais accréditée pour faire des photos. Il me semble que c'est ça, la première fois on a un petit peu échangé, parce qu'entre temps Marine m'avait suivie sur les réseaux et tout. Et depuis, bah, on s'est recroisés, bah, on a échangé un petit peu sur Instagram. Et puis à la part 2 du deuxième Hellfest, là ils m'ont hébergé chez eux, et bah, évidemment c'est là où du coup je les ai encore plus connus. Comme quoi on parle beaucoup des choses négatives que peuvent apporter les réseaux sociaux. Moi personnellement j'en ai retiré mais que du positif en fait, enfin quasiment toutes mes amitiés, et même une petite histoire sur laquelle je ne veux pas m'étendre, à commencer via les réseaux sociaux, qui est terminée hein, soit dit en passant, mais qui était très cool. Tout ça ouais c'est passé sur les réseaux sociaux et ouais moi je suis extrêmement reconnaissante, ça m'apporte énormément, beaucoup plus que une rémunération, un salaire, mon travail, ça m'apporte énormément humainement, donc j'ai trop hâte. Et en fait on s'était dit que ce serait cool de se revoir, on s'était recapté au concert de Machine Gun Kelly, mais à chaque fois on se croise dans des fosses de concert, c'est pas l'endroit où on a le temps et la possibilité d'avoir les conversations les plus profondes. Et là on s'était dit qu'on se verrait pendant le mois de novembre, et comme il y avait le groupe Stinky qui jouait au Ferrailleur, ils m'ont dit que c'était une bonne occasion d'aller voir un concert, donc c'est trop cool, on va aller voir un petit concert, comme ça je vais passer le week-end avec eux, et c'est vraiment l'occasion d'apprendre un peu à mieux connaître ce couple qui sont mes...
genre adorable. Je rencontre des personnes extraordinaires ces derniers temps, c'est complètement fou. Et du coup, j'ai très hâte de passer ces petits moments avec eux, de découvrir un petit peu mieux la ville de Nantes, que je connais très peu. J'y suis allée 2-3 fois, je crois, mais je connais très peu. Et voilà, on continue le Shaker Tour après Marseille, Lyon, maintenant Nantes. Je suis pas sûre de revoyager en France là avant la fin de l'année, parce qu'après ça va être le mois de décembre, ça va être Noël et tout, les billets vont être chers. Et là, j'y vais en Flixbus à Nantes. La meuf n'a plus d'argent. Non mais surtout j'avais un bon d'achat parce que j'avais des problèmes de train en Belgique. Et du coup j'avais réservé en Flixbus en me disant au cas où je pourrais toujours rentrer chez moi. Et finalement j'avais pu monter dans un train. Donc j'ai annulé mon Flixbus. Donc j'avais un bon d'achat de 30€. Bon tu vois Nantes ça va, ça se fait, c'est pas si loin. J'irai pas à Marseille en Flixbus. Mais là pour aller à Nantes j'ai payé 34€ quoi. Avec mon bon d'achat j'ai payé 4€ pour faire l'aller-retour Paris-Nantes. Donc je suis trop heureuse, je suis hébergée. Ça me fait un week-end où je paye que dalle pour passer du temps avec des amis. Ça va être trop cool, je suis ravie. Donc là je vais essayer de vider vite fait mon frigo. Faut que je fasse ma valise, il faut que je continue de réviser cette certif, mais au pire, en fait, ça que je me dis, c'est que j'ai 5 heures de route, je crois, en gros, aller puis 5 heures retour. Donc je vais réviser pas mal dans le bus. MDR, j'ai fait que écouter de la musique et des podcasts, j'ai pas du tout révisé, évidemment, je le savais en le disant pourtant. Je pense que c'est une bonne idée de faire ça. Par contre, je vais pas trop ramener mon ordi, je crois, parce que on m'a dit qu'en ce moment à Nantes, il y avait beaucoup de vols dans les voitures et tout. Donc, comme je vais enchaîner direct avec le concert, j'ai pas envie de laisser mon ordi dans la voiture. Bref, voilà, c'était un gros monologue. J'espère que c'est... J'ai parlé 7 minutes. J'espère que c'était pas trop relou. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve, je pense, dans le Flixbus demain à Nantes. Des bisous. Bye. Aujourd'hui on se réveille à Nantes et vous entendez ma voix. J'ai un karaoké ce soir. J'ai plus de voix. Pour les fans. Notre amour, sans se retourner, ne pas regretter. Mignon, le mignon. Donne ton truc qui pue. Bah lâche Bertie. Petit cucu. Ouh la violence, c'est impressionnant ça. Voilà. Coucou, trop marrant, je suis sur le site du Hellfest. Marine et Julien m'ont emmené et c'est hyper bizarre parce qu'en fait on a l'impression que le site est plus petit vu qu'il y a moins de personnes et c'est hyper difficile de retrouver ses repères. J'ai l'impression d'être dans un rêve où en fait il n'y a plus rien qui est vraiment à la bonne place et tout, mais c'est trop cool, ça me fait trop plaisir d'être là. Je suis trop contente, je vais vous faire des petites vidéos, mais je pense pas que j'arriverai trop à rendre ce qu'on ressent en fait, c'est vraiment rigolo. Il y a plus du tout, les notions en fait d'espace sont complètement changées, c'est très bizarre. Alors c'est pas ce que je ressens en mode émotion ou machin, je suis contente d'être là, mais c'est pas dans ce mood là. Mais je parle plus au niveau des distances, des espaces, etc. Tout est différent et c'est trop chelou, c'est étonnant. Mignon, c'est interdit Bertie, mais quel punk. En fait, t'as l'horloge, c'est là où tu vas à la Warzone. Là, normalement, il y a la grande roue. Et du coup, là-bas, il y a les main stage. Et c'est là où il y a la boule là, qui crache.
Hello, comment vous allez? Ça fait un petit moment là que je vous ai pas repris. Je suis pas mal maquillée parce que j'ai fait des stories pour Charlotte Bio. Ils sont pas mal, ceux-là sont pas mal. Tous les produits ne se valent pas, je trouve, au niveau de la pigmentation. Toutes les couleurs ne se valent pas dans les ombres à paupières, etc. Mais là, j'ai choisi mes préférés, donc sur mes préférés, vous pouvez y aller. Ensuite, sinon hier, je suis rentrée. Le Flixbus, franchement, c'était cool. Je trouve que le trajet en bus, il passe vraiment bien. C'est plus, après, moi, j'ai une heure de transport pour rentrer chez moi. Donc, j'ai pris mon Flixbus à Nantes à 17h40. Je suis arrivée dans mon canapé à minuit. Donc, c'était un peu long quand même, mais franchement, c'était cool. J'aime bien, j'ai l'impression d'être en sortie scolaire. Genre, allez, on arrive sur l'aire d'autoroute. Vous revenez dans 20 minutes. Du coup, j'ai juste le temps de faire un petit pipi et de manger des chips et un sandwich et de retourner à ma place et tout avec mes copains. Non, franchement, c'était rigolo, j'aime bien. En plus, franchement, l'économie est tellement importante que ça vaut le coup. Ce serait vraiment, t'économiserais 10 balles, bon, ok. Mais là, t'économises 100 euros, quoi. Donc, bon, il y a un moment où faut y aller, quoi. Et ouais, donc j'ai tourné mes petites stories maquillage aujourd'hui. Là, je me fais à manger, je décongèle de la ratatouille Picard et puis je vais dérusher. Faut que je monte un peu les stories, faut que je vois ce que j'en fais. Je suis pas... J'aime pas, en fait, les trucs en gros plan et tout. Je trouve qu'on voit 10 fois plus mes trucs de ma peau et tout. Et c'est beaucoup plus moche qu'en vrai. Enfin, je sais pas, du coup, je me suis trouvée moche sur tous les plans. Donc, je sais pas si je vais pas déprimer en regardant les rushs. Là, ça va être chiant. Mais bon, c'est pas grave, on fait avec. Sinon, mon week-end à Nantes était super cool. J'ai pas filmé. Franchement, j'ai pas envie de filmer les gens sous le nez. J'ai rejoint mes copains Marine et Julien, donc à Nantes, pour qu'on voit le concert de Stinky tout d'abord au Ferrailleur. J'étais trop contente de voir le Ferrailleur et puis tous les docks, tout ce coin-là de Nantes et tout qui était super cool. J'ai vu l'éléphant, j'ai vu le petit carrousel et tout avec les fonds marins. Franchement, c'était trop bien. J'ai eu ma petite visite guidée. Le lendemain, il m'avait proposé de faire un karaoké, je vous jure c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui ai réclamé. Donc on allait faire un karaoké, c'était très cool. Alors eux, ils sont plus en mode on met des musiques qu'on aime bien. Moi, je suis plus team, on met des musiques qu'on n'écoute jamais, qu'on aime de manière un peu honteuse et qu'on a envie de hurler fort et faux. Et je crois que je dois vous avouer un truc, je crois que je commence à m'essouffler sur le karaoké parce qu'en fait on a vite fait le tour des chansons et là c'était la troisième fois en très peu de temps. Oui, je suis malade aussi. C'était la troisième fois en très peu de temps, j'avais plus de voix. Tu vois, le premier, j'étais ouf parce que bah, je les avais jamais chantées, ces chansons en karaoké. Le deuxième, j'étais encore dans l'euphorie. Le troisième, j'ai refait un petit peu les mêmes. Et là, c'était quand même le quatrième depuis cet été, donc c'est quand même très rapproché. Mais c'était trop cool, j'ai passé un trop bon moment. Et puis le lendemain, c'était trop rigolo. On est allé se promener dans le parc du Hellfest, donc à Clisson, parce qu'ils habitent à côté. Et le parc est ouvert à l'année pour ceux qui ne savent pas. Et il laisse de plus en plus de structures métalliques dedans. Il y a quasiment tout, parce que maintenant, le Hellfest, ce parc-là appartient au Hellfest. Donc du coup ils peuvent laisser un peu ce qu'ils veulent. Et c'était trop bien, hyper déroutant en fait. Donc voilà, maintenant je suis de retour dans mon chez moi. Je vais travailler un petit peu, hein, quand même. Ça peut servir. Et puis bah demain je vous embarque déjà en concert pour voir Blackout Problems, qui est trop cool, un groupe allemand dont je vous ai parlé dans mes derniers favoris. Je vous ai incité à prendre vos billets, donc j'espère que je vais croiser certains d'entre vous demain. Voilà pour les news. J'ai plus de voix, moi, hein, c'est fini. Elle a dit salut. Allez ciao. Et c'est ciao. Allez, merci. Cindy, trop bon. Comment ça s'appelle, je Bini. Ah, voilà. Lâche. Lâche quoi? To from afar, Lady Earth. She looks a little alarmed. There's a long distance. De rentrer du concert de Blackout Problems, je ne suis que joie, c'était trop bien. Je vous remets un petit peu droit, c'était hyper cool, je suis trop contente. En plus j'ai acheté un peu de merch, j'ai acheté le t-shirt, bon le t-shirt qu'ils ont bleaché et genre
Ça sent encore la javel, les types ils ont même pas lavé le bordel. Anyway, il est trop cool, il est trop fun et derrière il y a une photo de ville comme ça. Il est trop bien et j'en ai profité aussi pour acheter une édition, une sorte de coffret. Attendez, putain, on voit rien. Un coffret comme ça et il est trop beau, je l'ai fait dédicacer que par le chanteur, j'ai pas eu envie de faire chier tout le groupe. Il y avait le batteur aussi dans le coin, mais bon, c'est pas grave. Il est trop trop beau. J'ai un coffret, donc, ah oui, dedans il y avait un pins que j'ai déjà accroché sur ma salopette. Pourquoi on voit rien? Il y avait un pins, il y a, alors ça je l'ai pas déplié, c'est une sorte de drapeau. Ah, c'est pas un truc genre thermocollant qu'on peut mettre sur une veste ou un truc comme ça? Je sais pas, bon en tout cas c'est un truc en tissu avec leur logo. Il y a un carnet de notes avec dedans des tablatures, quelques photos, les partitions et tout. Donc trop cool. Bon, je verrai si je me chauffe à faire 2-3 trucs. Il y a l'album en vinyle avec dedans, je les ai ouverts dans le métro, je regardais ça pour m'occuper parce que je n'avais plus de batterie. Et dedans il y a des picture discs. Vous savez, enfin si vous me suivez aussi sur Instagram, vous connaissez ma passion pour les vinyles, les picture discs, donc les vinyles avec des couleurs comme ça. Il est trop beau, il est transparent, il y en a deux, ils ont la même couleur. Ça je sais pas trop ce que c'est, si c'est genre un single ou je ne sais quoi. Mais dedans il y a un vinyle, alors pour le coup c'est pas un picture disc, il est noir. Trop contente d'avoir un bel objet comme ça avec plein de goodies, que ce soit un souvenir du concert, que voilà, il soit dédicacé, tout ça. Je suis trop contente, c'est trop cool. Je sais, je n'ai plus de voix, c'est horrible. Putain, vraiment je me sacrifie de vous faire un unboxing comme ça. Je sais pas quelle heure il est, il doit être 1h du matin. J'ai mal à la gorge et j'ai surtout extrêmement faim. Mais je me dis que ça va vous faire un petit contenu. Je vois que c'est un colis de chez De'Longhi. Et j'ai une collab pour De'Longhi à faire là pour Noël. Et ils m'ont dit qu'ils allaient m'envoyer des tasses en provenance d'Italie. Oh, c'est des tasses de Noël. Oh non, c'est un petit mug. Oh, il est cute. Il est très très cute, avec, en mode petit pull de Noël comme ça. C'est mignon. Merci De'Longhi, on vous aime. J'ai acheté le savon V10. C'est un nettoyant visage dont Sonia Seller parle énormément. Et moi ça y est, hein, je suis passée un petit peu du côté obscur de la force au niveau des cosmétiques. Alors j'utilise toujours plein de cosmétiques bio, hein, évidemment. Mais s'il y a des produits qui sont un petit peu dits comme miracle du côté de chez Sonia Seller, alors c'est ce que je disais, j'ai vu Colline tout à l'heure, c'est ce que je disais à Colline, moi j'ai un petit peu, j'adore Sonia, mais j'ai un petit peu la flemme en fait de suivre ses contenus parce que il y a énormément d'informations, énormément de produits, énormément de cosmétiques et moi j'ai la flemme de, je suis pas très, je mets pas des caisses de produits non plus et tout, et en fait j'attends ce que je disais à Marine, à Nantes et à Colline tout à l'heure, j'attends que l'information redescende, j'attends que Marine ou Colline achètent un produit et je me dis bon, si elles l'ont acheté, c'est que vraiment ça vaut le coup, donc du coup je l'achète et là j'étais chez Marine et je vois dans sa salle de bain le V10 bien entamé et je me dis bon ok, c'est qu'il doit être bien et tout, j'en ai parlé le lendemain, je dis ouais ça me fait rire, je vois le V10, nana machin, et elle me dit ah non mais il a changé ma peau, vraiment il est trop trop bien, etc. Et donc dans la foulée je l'ai acheté, vraiment je n'ai aucune volonté, je suis tellement influençable, c'est une catastrophe. Bref, du coup je l'ai acheté, je vous en dirai des nouvelles, mais en tout cas j'ai craqué pour ce petit nettoyant visage qui était plébiscité par Sonia Seller et Marine également, et Colline aussi je crois qu'elle en a parlé. Ah, il sent bien les fruits, je vais dire les fruits de mer. je voulais dire quoi, comment on appelle ça, les agrumes, voilà. Mon dieu, c'est compliqué un petit peu, hein. Bon, bref. Bah écoutez, je vais tester ça dès ce soir, mais là, je vais manger du pain, du beurre, du comté, j'ai extrêmement faim, et puis je vais aller me coucher. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Salut! That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal.